Dans cette vidéo, vous découvrirez les différentes postures utilisées dans la pratique du mountain bike. Avoir une bonne posture vous aide à rester détendu et prêt à négocier les virages. Les deux postures de base sont la posture neutre et la posture d'attaque. La posture neutre est parfaite pour les sections non techniques de la piste. Dans cette posture, vous devriez être assis sur la selle fermement et confortablement. Vos coudes et vos genoux devraient être légèrement pliés. La posture d'attaque, aussi connue comme étant la posture prête, vous prépare mentalement et physiquement pour les sections techniques de la piste. C'est aussi la posture de départ pour les techniques comme le wheelie, le manual ou le bunny hop. Souvenez-vous de garder votre visage éloigné du guidon pour éviter les blessures. Les pédales devraient être à la même hauteur et vous devriez avoir les talons penchés en arrière. Fléchissez légèrement les genoux, de sorte à avoir votre centre de gravité bien situé au milieu du vélo. Vos bras devraient aussi être légèrement pliés. Votre dos devrait être presque parallèle au sol. Regardez devant vous et tenez-vous prêt à négocier tout type d'obstacle. Votre index devrait être sur les freins. Être inutilement tendu au niveau des mains ou des poignets gaspille de l'énergie, limite la maniabilité de votre vélo et peut provoquer des blessures en cas d'accident. Il y a quelques erreurs très communes. Être trop bas, trop compact, trop rigide et tendu, avoir le torse trop en avant ou encore avoir le torse trop en arrière. Entraînez-vous à passer de la posture neutre à la posture d'attaque, puis enchaînez avec un manual ou un bunny hop. Et bonne route!